Washing, bienvenue, je suis Wang Bing et aujourd'hui j'ai l'honneur d'inviter un personnage très connu en Afrique ainsi qu'en Chine. Il est une superstar du film et du kung-fu chinois. Qui est-il? Je vous introduis Monsieur Luc Benza. Bonjour Monsieur Benza. Bonjour, bonjour. Je suis vraiment contente que tu pourrais accepter notre invitation. Merci. Et de partager des expériences ici. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Comment on s'est rencontrés déjà plusieurs fois? Est-ce qu'on pourrait se tutoyer éventuellement pour ça? Oui, bien sûr, naturellement, il n'y a pas de problème. Oui. Merci beaucoup. Et avant de commencer notre discussion, je vous invite tous à voir ensemble une petite vidéo pour mieux connaître Monsieur Benza. Monsieur Benza, oui. Ça se voit que tu as participé à beaucoup de films étrangers et chinois. C'est exact, oui. Oui. Donc, pour les Chinois, pour les internautes, peut-être on va tous poser cette question, c'est que pourquoi tu as choisi de venir en Chine et de surtout d'apprendre le Kung-Fu? Parce que le Kung-Fu, ce n'est pas facile pour tout le monde. C'est exact, oui, effectivement. Ben, dès mon jeune âge, je suis toujours influencé au Gabon. Hein. Je suis gabonais, je viens du Gabon d'abord. Alors, dès mon jeune âge, je suis influencé par les films de Bruce Lee, hein, Jackie Chan, Bruce Lee. Mais à l'époque, avant que Bruce Lee, les années 70, avant Bruce Lee et Jackie Chan, il y avait un grand acteur qu'on appelait Wang Yu. Alors, Wang Yu, on peut dire qu'il a maintenant 80 ans, mais il continue toujours à tourner. Alors, lui, il tournait des films du genre en oiseau, c'est-à-dire il s'envolait, c'est le genre de film typiquement traditionnel. Alors, moi, je me suis dit, bon, s'il peut voler de la sorte, ah ben pourquoi c'est pas, génial, oui. Voilà, pourquoi pas venir aussi en Chine et apprendre à voler, c'est fut mon objectif. Mais j'étais très jeune à cette époque et puis mes parents n'étaient pas d'accord à ce que je vienne en Chine. Du moment où j'ai rencontré aussi M. Wang Yuchuan, qui était interprète de français pour la mission médicale chinoise au Gabon, puisque chaque deux ans, le Gabon et la Chine, il y a un échange médical de médecins. Hein. Alors, M. Wang Yuchuan, qui m'a appris ce qu'on appelle des notions, d'abord des notions de chinois, des notions sur les arts martiaux et tout. Donc, voilà. Et mes parents n'étaient pas partants, de surtout ma mère, qui était un peu inquiète aussi. C'est quand même un pays étranger, hein. Et c'est loin. Voilà, c'est ça. Donc, c'est M. Wang Yuchuan qui, à cette époque, est parti voir mes parents pour leur convaincre de... persuader, de me laisser venir en Chine et que, selon lui, il pensait que, bon, voilà, tout allait marcher. Donc, du coup, quand je suis arrivé en Chine, j'avais mon oncle qui était à cette époque M. Mantongo Alain, qui était à cette époque premier consul de l'ambassade du Gabon ici en Chine. Et donc c'est grâce à lui un peu, c'est lui qui m'a guidé. Quand je suis arrivé en 1984. Voilà. Et quand je suis allé en 85 au temple Shaolin. Voilà, le temple Shaolin, c'est aussi une source du Kung-Fu chinois. Oui, on peut dire. Oui, un lieu. Voilà, on peut dire un lieu où on pratique aussi les arts martiaux. C'est une branche aussi de Kung-Fu chinois, je pense. Voilà, c'est ça. C'est aussi, oui, c'est une branche. Disons, Shaolin était un style, mais le temple en lui-même, c'est un monastère. En fait. Ah, oui. Disons que c'est... Voilà, donc je suis allé au monastère, au temple de Shaolin, où je pense j'ai fait une année, hein, là-bas. Donc, vu ma langue, j'avais des difficultés dans la langue chinoise, donc il a fallu que je revienne à Beijing, où je suis allé à l'université de langue pour apprendre
le chinois. Voilà, et de là, je suis allé à l'Université des Sports de Pékin pour suivre un cycle plus, disons, avancé et normal. L'Université des Sports de Beijing, on n'apprend pas seulement les arts martiaux, vous apprenez la médecine traditionnelle chinoise, l'acupuncture, les massages. En fait, en dehors des arts martiaux, vous êtes comme un médecin, un demi-médecin. Voilà, après ma graduation, donc j'ai commencé à faire ma promotion du Wushu, voilà, à travers, non seulement d'abord dans mon pays, mais à travers le monde. Voilà. Merci de partager cette histoire très intéressante. et c'est quand même très impressionnant que depuis ton enfance, tu es déjà venu en Chine. Voilà, c'est ça. Et puis, tu passais vraiment des périodes très difficiles. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, je pense que la culture chinoise représente, et aussi le Kung Fu chinois, représente un aspect de la culture chinoise peut-être qui t'attire vraiment. Ben, le Wushu, ça fait partie de la culture traditionnelle chinoise. Ce n'est pas en venant en Chine ou en donnant, je vais dire, en menant des sommes énormes que le professeur ou l'expert va vous enseigner ce que vous voulez apprendre. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut qu'il y ait d'abord une relation de père en fils. Voilà. Il faut que ça soit de père en fils. Oui. Pour apprendre ce qu'on appelle les arts martiaux, dans la source même, dans le secret même des arts martiaux, il faut qu'il y ait une lignée de père en fils. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'on appelle le père en fils? Ça veut dire, bon voilà, vous arrivez en Chine, on vous met en test. Voilà, on vous met en test, vous avez un professeur, bon voilà, donc les autorités vous disent, bon voilà, voici cet étranger qui veut apprendre la culture chinoise, et on vous met, on vous donne un professeur. C'est pas vous qui choisissez le professeur, c'est le professeur qui vous choisit en vertu de votre éducation, de vos comportements, de votre discipline. Mais si vous avez ce comportement et vous êtes discipliné et vous êtes dans l'humilité, la vertu, ben, le professeur, quand même, il essaye de tester vos capacités. Il faut des compétences. Voilà, et jusqu'où vous allez aller. Donc, je prends mon exemple juste pour vous dire que moi, j'ai fait un an en hiver, pendant l'hiver. Vous savez, les années 80, hein, l'hiver, c'était pas facile. Donc, le professeur, il vous prend, voilà, et vous restez, mais il fait très froid, excessivement froid. Vous savez, et tu devais te lever très tôt, je pense. Très tôt, il faut se lever, tous les jours à 5 heures du matin, voilà, dans la neige, sous la neige, hein, et voilà, il faut se bourrer, il faut porter, voilà, et vous vous rendez sur place, et puis bon, voilà, le professeur, il vous enseigne certains mouvements, mais vous ne bougez pas, vous êtes là, il vous enseigne certains mouvements, il vous laisse, voilà. Et ils sont partis. Et il s'en va, voilà. Ouais. Mais il s'en va. Mais vous pensez qu'il s'en va, n'est-ce pas? Mais il ne part pas, en fait. Il te regarde. Voilà. C'est exact. Donc, il vous surveille. Il te surveille pour voir jusqu'où vous allez aller. Et c'était continuellement comme ça pendant une année. Ce n'était pas facile. Pour moi, ce n'était pas du tout facile. Mais bon, c'est au fur et à mesure qu'un jour, il arrive et me dit, bon, apparemment, tu sais ce que tu veux. Voilà. Ah bah moi, je sais ce que je veux. Oui, évidemment. Alors, donc, c'est comme ça qu'il m'a appris comme son fils. C'est cette relation qui est vraiment très, très précieuse. C'est surtout ce passage qui est très, très, très important. La transmission. La transmission, oui, voilà. Ce qui est très, très important. Mm-hmm. Voilà, c'est grâce à mon professeur et grâce à ce test que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Pour apprendre les arts martiaux, il faut beaucoup de compétences, comme la persévérance surtout. Mais et la patience aussi. Il ne faut pas être très pressé. Hein. C'est exact. Dans les arts martiaux, il ne faut pas être très précis. Ce qui est important dans la culture chinoise et dans les arts martiaux chinois, d'une manière générale, la vertu, la discipline, l'humilité, la parole, elle est très importante parce que quand on dit « je veux le faire », je veux le faire, on le fait, vous comprenez? Et s'éloigner le plus loin possible du mensonge. Vous savez, mentir au fur et à mesure, mais un jour on va le couvrir. Ouais. Et ça, voilà. Ouais. Donc, voilà, ce sont un peu... je pense que ce sont un ensemble des aspects culturels chinois. C'est exact. Qui voilà. sont reflétés voilà. dans l'apprentissage voilà. oui, voilà, des arts martiaux. Des arts martiaux. Et maintenant, je sais que tu es aussi le directeur adjoint de la Fédération internationale de Wushu. Mm-hmm. Donc, pourquoi tu voudrais consacrer beaucoup de temps à faire la promotion de Wushu chinois?
les bonnes choses, il faut savoir les partager aux autres. Vous savez, quand on a même si c'est pas très facile. Même si c'est pas très facile, il faut savoir partager. Ce fut aussi mon devoir, hein, de partager aux autres. Donc, ce fut pour moi avec d'abord au début des années 80 avec les affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères de Chine, le ministère de la Culture de Chine, le ministère des Sports de Chine, voilà, et de travailler ensemble pour la promotion, hein, des arts martiaux chinois à travers le monde. Ouais. Voilà, du où à cette époque il y a eu les Jeux Asiatiques qui étaient organisés par la Chine. Donc il fut pour nous à cette époque de voir quelles sont les possibilités d'utiliser cette bonne opportunité, mm-hmm, hein, de faire la promotion de Wushu. Oui. Hein, et de comment réunir les ressources. Le voilà, c'est exact, oui, voilà, oui. De propulser, voilà, de faire la promotion de Wushu durant les Jeux Asiatiques. Vous savez, dans les arts martiaux chinois, il y a des centaines de styles. Voilà. Donc il y a 125 styles, je dis bien 125 styles, qui ont été enregistrés par l'association chinoise, mm-hmm, de Wushu. Voilà, qui pourront permettre à chaque individu de trouver sa place. Ça veut dire que celui qui est, qu'il soit âgé, qu'il ait un âge très avancé ou qu'il soit jeune, il trouve sa place dans les arts martiaux chinois, dans le Wushu. Mmh. Voilà. Donc, même moi, je pourrais trouver une place. Voilà, tout le monde a sa place. je préfère le style de Tai Chi. Ben oui, voilà. Et j'apprends un petit peu de Tai Chi dans l'université. Ah ben, le tai chi, c'est une bonne chose quand on parle de tai chi. Le tai chi, vous savez, c'est quoi? Vous savez, l'homme, hein, n'utilise que le 1/5 de son cerveau ou de ses capacités pour arriver à résoudre certains problèmes. Alors, le tai chi permet de remettre en voie normale, je dis bien en voie normale, les capacités les capacités de l'individu. Mm-hmm. Parce que, je vous prendrai un exemple, si vous dansez, c'est facile de danser, vous allez acquérir peut-être le rythme, mm-hmm, d'une manière très rapide, vous comprenez. Mm-hmm. Mais si on vous demande d'être calme en bougeant très lentement, ouais, tout en étant en parfaite coordination avec votre corps, mm-hmm, ça c'est difficile. C'est ça. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de pratiquer, ouais, le tai chi, qui est vraiment une très bonne chose parce que ça va nous rendre être en bonne santé. C'est très important. C'est pourquoi je parais très très jeune. Et maintenant, on a un petit cadeau pour tous les internautes de CGD en français. Et je vais inviter Luc à faire une petite démonstration du Kung Fu chez moi. Très bien. Allez-y, merci. C'est vraiment très bien parce que quand je te regarde faire cette démonstration, je ne te considère pas comme faire un sport, c'est comme un art pour moi. Ben, le Kung Fu, comme on dit, c'est un art. Voilà. Parce qu'il y a des étrangers qui adorent les arts martiaux. Mmh. Peut-être qu'ils trouvent que les arts martiaux sont très mystérieux et c'est très puissant, mais en fin de compte, les arts martiaux chinois, c'est pas pour la guerre ou pour le combat, c'est pour la paix du corps et la paix du cœur. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais aussi, c'est, vous savez, d'où est dans ce art, l'humilité, c'est très importante, la vertu, la discipline, notre salut à nous, le Wushu, notre salut, voilà notre salut. Oui. Vous comprenez ça, c'est notre salut. Alors, quand on dit, voilà, donc ça, c'est un grand sens, vous savez. Mm-hmm. Alors, donc quand je dis, donc ça, c'est la vertu, hein, l'humilité, oui, voilà, mm-hmm, votre sens intellectuel, mm-hmm, n'est-ce pas? Alors, physique, spirituel, mm-hmm, la beauté, mm-hmm, le plus important, c'est ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme, et ça, c'est la force. Alors, oui, ça, c'est l'homme. Pourquoi est-ce que ce doigt est plié? Mm-hmm. Ce doigt est justement plié, pourquoi? Parce que du moment où on vient au monde jusqu'au jour, mm-hmm, où nous allons partir, je veux dire, mm-hmm, on n'est pas éternel, hein, nous, mm-hmm, sommes tous de passage sur cette terre, vous comprenez, mm-hmm, jusqu'au jour où on va partir, on aura toujours et toujours et toujours à apprendre. Et quand on apprend auprès des autres, il faut toujours être dans l'humilité, dans la vertu,
Voilà. Mmh. Et évidemment aussi, en revenant, il y a beaucoup de personnes qui me posent, qui m'ont posé des questions concernant le temple Shaolin. Mmh. Il faut savoir que le temple Shaolin a contribué au développement, hein, disons à la promotion, pas au développement, à la promotion des arts martiaux chinois, d'où est dû au film de Jet Li. C'est tout. Mais pour apprendre le vrai Kung Fu, le vrai, ce n'est pas en allant au temple Shaolin. Nous avons, c'est un malentendu. Voilà, donc nous avons mis ensemble un système avec le ministère des Affaires étrangères, et le ministère de la Culture, le ministère des Sports, mm-hmm. voilà, pour faire connaître mieux le temple Shaolin à l'extérieur. Mm-hmm. Dans ce programme, donc, on invite chaque pays d'Afrique, n'est-ce pas, qui assistent constamment, continuellement aux champions du monde, parce que nous avons un champion du monde chaque 2 ans, mm-hmm. aller au temple Shaolin pour prendre des cours, soit de 6 mois ou de 3 mois. Ce fut un succès. Maintenant, pour ceux qui sont allés au temple Shaolin et apprendre, c'est une bonne chose. Donc nous ici, nous espérons qu'en retournant dans leur pays respectif, qu'ils peuvent aussi partager avec les autres. J'espère que... Merci beaucoup de partager toutes ces informations très utiles. Voilà. Et puis on parle beaucoup d'arts martiaux chinois, mm-hmm. et on parle maintenant un petit peu de films. Oui. Parce que, et on va en retourner aux arts martiaux un peu plus tard aussi. Ouais. Et quand on parle de films, je sais que tu as participé à beaucoup de films étrangers et chinois. Mm-hmm. Et il y a un personnage qu'on doit mentionner surtout, c'est Bruce Lee. Ouais. Quand tu participes au tournage, la légende de Bruce Lee, est-ce qu'il y a des histoires intéressantes à partager, oui, avec nous? J'ai juste eu la chance, mm-hmm. De réaliser un de mes rêves, c'est-à-dire, oui, on peut le dire comme ça, de participer au tournage, hein, mm-hmm. de la série télévisée La Légende de Bruce Lee. Ouais. Donc ce fut pour moi un honneur, et voilà, de connaître, hein, mon idole Bruce Lee. Le rôle que je joue, c'est effectivement, c'est Jesse Glover qui a existé, qui, quand Bruce Lee est arrivé aux États-Unis, hein, les années 70, oui, 60-70, mm-hmm. hein, qu'est-il arrivé à, c'est lui qui fut, disons, le grand ami de Bruce Lee, celui qui a beaucoup aidé Bruce Lee dans sa vie quotidienne, à l'aider dans la promotion des arts martiaux, hein, voilà, et ce fut aussi le premier élève justement de Bruce Lee, le rôle que j'incarne, mm-hmm. et c'est à travers cette série télévisée que j'ai constaté que Bruce Lee, c'est un homme bien, mm-hmm. ouais, un homme bien honnête, honnête, qui a d'humilité, qui est humble, qui... voilà. Et quand je suis allé au mausolée de Bruce Lee à Seattle, alors je me suis dit, mon Dieu, mais s'il existait, je pense que... je ne sais pas quelle est l'impression que j'aurais. Voilà. Donc, ce fut un de mes rêves ouais. pour moi. Hein, donc je n'oublierai jamais. J'ai vu beaucoup de photos que tu gardes, ouais. que tu me montres. C'est vraiment très émouvant, c'est une expérience vraiment très précieuse. Voilà. Et puis en parlant du film aussi, est-ce que tu as trouvé un phénomène très intéressant, c'est qu'en Chine, on ne voit pas très souvent les films africains. Le cinéma, par exemple, au Gabon, dans mon pays, il va merveille. Je veux dire, il va bien, hein. Il se développe bien, que ce soit au Gabon, je veux dire, dans le reste d'Afrique, je peux le dire, ça. Vraiment, le cinéma, il se développe comme il peut. Mm-hmm. Alors, d'où, à cette époque, en venant en Chine, je dis en 95, mm-hmm. pour faire connaître un peu le cinéma africain, ici en Chine, je suis parti discuter avec le ministère de la Culture et des Affaires étrangères aussi pour voir la possibilité d'organiser avec la compagnie qu'on appelle Touch Africa, mm-hmm. De voir la possibilité d'organiser le premier festival du cinéma africain. Donc j'ai demandé, donc j'ai discuté tout dernièrement avec certaines autorités de la place, comment faut-il rassembler, c'est-à-dire voir les possibilités de faire des coproductions entre la Chine. Oui, ça c'est important. Oui. Donc là, il y a une réponse qui a été favorable. Mm-hmm. Donc il y aura un fonds Chine-Afrique sur le cinéma qui va être créé. Mm-hmm. Et qu'au moment venu, on invitera des réalisateurs africains,
voilà, et les investisseurs chinois avoir les possibilités sur comment faut-il voilà, créer des sujets sur non seulement sur les films d'action, sur les films sociaux, sur voilà, un peu de tout. Donc, le festival, je pense que ça va être le quatrième festival sino-africain, du cinéma africain ici en Chine qui sera réalisé, je pense, d'ici l'année prochaine. Il y aura un forum qui sera aussi mis en place et certains qui auront des projets de coproduction avec la Chine pourront amener aussi leurs projets, discuter. Deuxièmement, on remercie aussi le chef de l'État Xi Jinping aussi qui a donné son feu vert sur la création du fonds cinématographique sur la route de la soie. Mm-hmm. Bon, alors à ce niveau, voilà. Très bien. Et en parlant du festival de films de Beijing, hier c'était l'ouverture du festival du film de Beijing, qui est aussi l'un des festivals de films les plus connus en Chine, même dans le monde entier. Et les journalistes de CGTN français ont fait des reportages sur place de ce grand festival de films et allons le voir ensemble. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur CGTN français, je suis Wang Yang. C'est le jour J pour l'ouverture de la 9e édition du Festival international du film de Beijing. Cette année, le Festival international du film de Beijing se tient du 13 au 20 avril et les cérémonies d'ouverture et de clôture se tiennent toutes à la base de la production nationale de China Film Group à Huairou, dans la banlieue de Beijing. L'année 2019 marque le 70e anniversaire de l'établissement de la République populaire de Chine. Et cette année, la cérémonie d'ouverture du festival sera consacrée au thème famille, pays et permettra à des cinéastes réputés d'origine domestique ou étrangère de participer à la célébration. C'est un cadeau de la ville de Beijing et de la saison du printemps aux cinéphiles du monde entier et encore plus un cadeau d'anniversaire à notre patrie. Cette année, la cérémonie d'ouverture comprendra le dévoilement des 7 membres du jury des Tiantan, l'introduction de 15 films présélectionnés pour les prix Tiantan, la présentation des équipes de création derrière les films et diverses autres activités. Durant le festival de cette année, à part les prix Tiantan, le carnaval du film, les forums thématiques, plus de 500 films chinois et étrangers seront également projetés au public dans 30 cinémas à Beijing. Si vous êtes bien amateur ou professionnel du cinéma, saisissez bien cette belle occasion pour plonger dans l'univers du cinéma. CGTN français vous apportera plus d'informations dans les jours qui viennent. À très bientôt! Je remercie à la journaliste Wang Yang de nous apporter des reportages sur place qui sont vraiment très très intéressants. Tu as participé à beaucoup de festivals de films. Ouais. Et je pense que ce genre de festival de films, c'est pas seulement les superstars qui sont vraiment très brillants, c'est surtout la coopération, tu vois. Être acteur ou travailler dans une production, rien n'est facile. Rien n'est facile. C'est ça. Rien n'est facile. C'est un grand projet. Voilà. Ouais, il faut de... voilà, rien n'est facile. Et puis bon, voilà, on est là juste pour. Le cinéma est là pour faire passer des messages, pour faire connaître la culture du pays, voilà. Et pour aussi, voilà, que non seulement des messages, faire passer la culture, et puis bon, pour un bon renforcement de coopération de l'un et de l'autre. Mm-hmm. Voilà, et se faire connaître au niveau culturel. Voilà. Économique et social. Exactement. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de films qui vont être présentés lors de ce festival de films de Beijing, les films indiens, les films africains, voilà. Et les films d'arts martiaux anciens aussi. Mm-hmm. Et quand on parle des films d'arts martiaux aussi chinois, avant il y avait la génération de Bruce Lee, de Jackie Chan, de Jet Li, etc. Donc est-ce que tu trouves qu'il est peut-être il manque un successeur? C'est la question qu'on se pose ces derniers temps, qu'on s'est posé, que j'ai même discuté avec Jackie, et discuté aussi avec certains grands réalisateurs, mais surtout avec Jackie, avec, disons, même Zhang Wenzhou, Wu Jing aussi. Est-ce que les films de Wu Jing, les nouveaux films, ça te plaît?
Oui, plus que, on peut dire, le nouveau film que Woo Jin a fait, mm-hmm. hein, surtout sur... Wolf Warriors. Oui, voilà, c'est ça, Wolf Wars 2. Wandering Earth. Voilà, donc c'est justement ce qui a permis justement à certains producteurs ou réalisateurs ou même les hautes autorités de Chine à s'intéresser beaucoup plus en Afrique. Et puis bon, l'Afrique a s'intéressé à la Chine. Et de voir de ce niveau, bon, ben, une coopération un peu plus, plus rapprochée au niveau cinématographique, mm-hmm. puisque mm-hmm. cette coopération est un peu, on ne peut pas dire de laisser, mais elle est... en fait, il y a beaucoup de choses à faire dans ce oui, niveau. Oui, en Afrique. Beaucoup de choses à faire. Et je pense que les Chinois, ils adorent voir, regarder les films africains. Moi, je pense que ce serait beaucoup plus intéressant si... il y a des histoires, disons, Chine-Afrique, quoi, des histoires d'amour ou histoires... Ah, il y a une liaison, c'est ça ? Voilà, une liaison, c'est ça. Là, ça pourra beaucoup plus intéresser, ouais. Je dis, le public chinois. Pour l'heure actuelle, les films africains qui sont vus ici en Chine, c'est surtout bon, les films un peu de l'Afrique du Sud. Mm-hmm. Voilà. Et puis, bon, il y a une coproduction gabonaise, France, Belge, dont l'Africain qui voulait voler, ah voilà, oui. qui a été c'est, vu c'est ici en Chine. Il y a encore beaucoup, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il reste beaucoup de choses à faire, il reste un long chemin à parcourir. Un long chemin, mais je pense que ce chemin, si Dieu le veut, d'ici l'année prochaine, ça pourra... on verra, hein, on verra oui, avec on verra. Les autorités si ça pourra aller en bonne voie. Quoi. Oui, et heureusement, il y a de plus en plus d'échanges culturels entre... le continent africain et la Chine, par exemple, oui. il y a le sommet du Forum sur la coopération sino-africaine. L'année dernière, j'ai aussi participé à un festival de la jeunesse Chine-Afrique. Voilà. Ouais, ouais. Voilà, il y a des jeunes Africains qui sont invités mm-hmm. en Chine pour mm-hmm. Faire une visite dans les grandes villes chinoises, aussi à la campagne chinoise, pour qu'ils connaissent mieux la Chine, parce qu'ils sont curieux quand même, mais ils manquent peut-être des moyens pour qu'ils connaissent bien la Chine. Ils ne sont pas comme toi, toi tu as vécu en Chine et tu vis en Chine, c'est ça. Peut-être pour les jeunes Africains, les Africains, on a encore beaucoup de choses à faire à l'avenir. Voilà, ça c'est une bonne initiative d'inciter aussi les jeunes à venir en Chine, à faire des échanges avec des jeunes chinois ici. Mais il faut une structure, il faut une procédure, il faut qu'il y ait une structure qui soit mise en place. Peut-être que dans le continent africain, par exemple, si les hautes autorités pouvaient supporter ce genre d'initiative, ce serait la bienvenue. C'est-à-dire, bon, supporter, c'est, disons, bon, voilà, choisir, disons, les meilleurs qui sont dans différents domaines, à venir ici en Chine et à échanger avec, les jeunes Chinois. On a une structure ici, là, il y a une structure qui existe, la structure des jeunes, d'échanges culturels de Chine. C'est une structure qui existe, donc si certaines autorités africaines pourraient prendre cette initiative d'initier un programme de ce genre, ce serait la bienvenue. Je lance un message aux autorités africaines de faire la promotion de leur culture, de leur pays ici, comme on le fait maintenant en Rwanda. Ouais. Le Rwanda aussi est très actif ici en Chine. Ouais, très actif. Voilà, c'est leur culture, Donc, en fait, il faut une connaissance plus profonde entre le continent africain et la Chine. Il n'existe pas seulement les arts martiaux chinois, il existe d'autres choses, comme la calligraphie chinoise, l'opéra de Pékin, Mais ça peut être de vice-versa. Hein. C'est-à-dire que comme la Chine a la plus grande population, la population elle est énorme ici en Chine, en dehors de l'Inde, c'est la Chine, vous comprenez. Donc à ce niveau-là, s'il y a un système, je veux dire, il y a un programme qui est déjà mis en place pour les échanges entre les jeunes chinois et les jeunes d'Afrique, c'est une bonne chose, c'est une bonne initiative, et d'inciter aussi aux jeunes chinois à aller en Afrique. Et aussi, pourquoi est-ce que j'insiste à ce que les dirigeants africains doivent faire leur promotion ici en Chine? Ben, c'est pour faire connaître le continent, ici. En tant que personne qui apprend le français, moi aussi je suis très intéressée à la culture africaine. Il y a quand même une grande quantité de pays africains qui sont francophones. Voilà, et moi, je n'ai pas encore jusqu'à maintenant la chance d'aller en Afrique, mais un jour j'irai
bien sûr. Et je sais qu'il y a une grande quantité d'aspects culturels en Afrique. Ouais. On ne peut pas faire un résumé aujourd'hui. Peut-être je vais t'inviter à jouer une petite partie de tambour. Parce que le tambour. Oui, le tambour africain, c'est, ça fait partie de la culture africaine. Qui est très important aussi. Et je sais que les amis africains, et il y a beaucoup de nos internautes qui sont des internautes du continent africain. Mm-hmm. Donc je t'invite à jouer une petite partie de tambour. Oui, d'accord. Ouais. Oui, je vais essayer, hein, ouais. Parce que ça fait longtemps, mais je vais essayer. Vraiment très intéressant. C'est moi qui vous remercie. Oui, et avant de terminer notre émission, j'ai encore une question. Mm-hmm. Et on revient aux arts martiaux, mm-hmm. parce qu'il y a beaucoup de choses à parler sur les arts martiaux. Et je sais que tu étais le porteur de flambeau olympique en année 2008. Mm-hmm. Et je me pose la question, c'est que quand les arts martiaux deviendront-ils un événement officiel des Jeux olympiques? Quand est-ce qu'il deviendra aux Jeux Olympiques? Bon, nous sommes, la Fédération Internationale est déjà sur l'égide de Liu Zhaqin, qui est le président de la Fédération Internationale. Mm-hmm. Enfin, nous faisons ce que nous pouvons pour le moment, continuer à faire la promotion du Wushu pour qu'il soit aux Jeux Olympiques. Il y a eu déjà un progrès qui a été fait en 2008. Le Wushu fut démonstratif. Il n'est pas encore une discipline olympique, mais il est membre du comité international. C'est déjà un progrès. Voilà. La toute dernière question, c'est que en tant qu'acteur et aussi en tant que planificateur du film, aussi tu es producteur, donc pour le futur, est-ce que tu vas aussi peut-être participer à un film et tu as un choix pour les streets ou bien... Oui, moi je fais des films pour faire passer des messages. Surtout à mes frères africains, à certains auditeurs qui ont
Ici, c'est aussi faire un message. Voilà. Faire passer un message à nos internautes africains. Aux internautes africains et aussi à nos frères chinois et dans le reste du monde. Voilà. Que quand on a un objectif bien précis, hein, il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Et je continuerai toujours à tourner, à faire du cinéma, à tourner des films pour justement faire passer des messages bien sûr positifs, pour faire passer des messages en disant que si je peux, vous pouvez aussi le faire. Il faut juste être ancré dans les objectifs dans lesquels vous vous êtes fixé.